Coucou tout le monde, c'est Audrey. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour un haul. Oui, encore un haul ce mois-ci. Je sais. Mais en fait, je vous ai publié le haul. C'était le pro. Alors celui de la semaine dernière ou de la semaine d'avant. Je sais plus quand est-ce qu'il est publié. Mais celui-ci, c'était surtout des achats en plusieurs fois, comme d'habitude. Mais fin mars, début avril. Et donc, quand j'ai publié le haul, bah, en fait, il y a des achats qui sont arrivés. Et j'avais déjà filmé, déjà prêt à être publié pour que vous puissiez voir. Donc je me suis dit que j'allais faire un autre haul ce mois-ci avec d'autres achats. Et un petit bon plan, j'espère qu'il y aura encore quelques magasins ouverts à ce moment-là quand vous verrez cette vidéo. Parce qu'il s'agit de Mime qui ferme définitivement. Tous les magasins Mime de France ferment parce qu'ils ont été rachetés par Tallyways. Voilà, donc j'ai demandé à la vendeuse, et elle m'a dit que, voilà, ils ont été rachetés, et voilà. Donc moi, à Grenoble, dans la région, dans l'Isère, il n'y aura plus rien, plus de Mime, oula, plus de Mime, plus rien du tout, donc, et il n'y a pas non plus de Tallyways, sinon il faut que j'aille à Lyon, et personnellement, ça ne me transcende pas plus que ça, d'aller à Lyon, perso. Mais voilà, donc chez Mime il y avait moins 50% sur tout le magasin. J'ai regardé et puis franchement je suis un peu compliquée, moi en fringues, il faut que j'essaye, il faut que je prenne le temps, voilà. Donc c'était à ma pause et je me suis dit je vais quand même aller faire un tour vite fait. J'ai essayé plein de trucs mais il n'y a que un t-shirt qui m'a vraiment plu. Et c'est celui-ci. Oui, de la couleur. Audrey qui met de la couleur. Il est trop beau. Il coûtait 9,99€. J'ai pris XL. Comme ça, au moins, je suis hyper à l'aise dedans. Hein, j'aime beaucoup être à l'aise dans mes t-shirts. J'aime pas quand ça me colle au corps. Même si la taille L, elle m'irait très bien. Hein, mais j'aime pas. Donc voilà. Et donc, au lieu de 9,99€, bah, je l'ai payé 4,99€. Donc franchement, ça valait le coup. Si vous, si vous avez un Mime près de chez vous, qu'il est encore ouvert, parce que normalement ils ferment tous d'ici la fin du mois. Oh les amis, c'est ma meilleure amie. Bon Nina, je te répondrai après. Ils ferment tous d'ici la fin du mois en moyenne, en général c'est ça. D'autres ferment un tout petit peu avant, enfin voilà. Selon comment s'écoulent les stocks et voilà. Donc c'est vrai que ça valait vraiment le coup. Donc adieu Mime en Isère. Tant pis. Et surtout ce haul parce que je voulais aussi vous montrer une merveille. Estée Lauder a sorti des nouveaux rouges à lèvres et tenez-vous bien, ils sont à moins de 30€. Oui, ça, ça passe quand même mieux, et surtout quand on utilise le prix de réduction. Parce que si tu payes le truc 27€ plein pot, ça fait chier quand même. Désolée pour le mot vulgaire, mais ça fait chier. Tant qu'à faire, autant profiter d'un moins 25 ou d'un moins 20. Et chez Nocibé, j'avais un moins 20%, moins 25%, pardon. Et ce sont les nouveaux rouges à lèvres de chez Estée Lauder, donc ce sont les Pure Color Love. Et ils ont sorti ces merveilles. Il y a des couleurs mates, crème, irisée et nacrée, je crois. Moi, forcément, j'ai pris un nacré, n'est-ce pas? Plein de paillettes. Hein. Je me demande même si c'est pas appelé pailleté. Mais bon. Donc j'ai pris la teinte 480 qui s'appelle Nova Noir. Je pense que je vais garder le paquet, la boîte parce que... Ah si, c'est marqué dessus. Ça va. Voilà le packaging. Elle est juste sublime. Laisse tomber la neige. Voilà, c'est mon expression un peu débile mais j'adore dire ça. Le packaging est juste magnifique. Je suis un peu loin là pour une fois, c'est bizarre parce que j'ai reculé ma table pour ouvrir mes porte-fenêtres. Voilà, je suis un peu loin. Mais il est trop trop beau. Et ce qui est bien, c'est qu'il y a la pastille au cucu. Ça, j'apprécie vraiment vraiment parce que je compte bien m'en acheter un autre. Même peut-être deux autres. Peut-être même trois autres. Enfin, voilà, je pense que je vais me faire un petit peu la collection de ça. Enfin, peut-être pas tout, hein. Parce que ça coûte super cher. Mais chez Nocibé, ils sont à 27,50€. Je crois que chez Sephora, ils sont à 26,50€. Mais j'avais pas de réduction à ce moment-là. Et forcément, je ne peux pas attendre. Donc j'étais obligée de craquer.
et le Nova Noir. Je vous le montre. C'est lui. Regardez-moi ça. C'est lui, c'est la merveille. C'est la merveille du siècle. Il est trop, trop beau. Ils sont un peu bizarres. C'est un peu la galère pour appliquer ça, mais ça s'applique. Au pire, peut-être que je partirai sur le coin, comme ça. Je pense qu'il faudrait faire le contour avec le bout, là, enfin la pointe, et après remplir avec le milieu. Mais je vais vous le swatcher, et il n'est pas aussi foncé que sur le raisin. C'est un violet. C'est la merveille. La merveille. Regardez-moi ça, il est trop beau. Il est trop beau. J'étais obligée de le prendre. Mais je pense que je vais m'en prendre un ou deux autres parce qu'ils sont trop trop beaux. Bon, ça, poubelle. Donc 27,50€ chez Nocibé. Je crois que c'est 26,99€ ou 27 chez Marionneau. Et 26,50€ chez Sephora. Donc pour une fois que Sephora est un peu moins cher que Nocibé, je pense que je vais attendre le petit moins 25%. Et aller chez Sephora incessamment sous peu pour me faire plaisir. Voilà, donc Estée Lauder, nouveauté à moins de 30€ pour une marque de luxe avec des couleurs de ouf. Franchement, si vous avez les moyens et que voilà, ça le fait de payer 20€, là c'était 20,62€ grâce à la réduc. Ça vaut le coup, franchement foncé parce qu'ils sont trop beaux et il y en a un qui est trop beau aussi. Il est un peu marronné avec des paillettes bleues. Oui, je crois que celui-ci, je vais craquer le marronné avec les paillettes bleues. Je sais pas pourquoi, j'ai flashé dessus et quand on met sur les lèvres, il est portable en fait. Il fait pas le truc un peu extraterrestre. Enfin, vous voyez ce que je veux dire quoi. Moi je m'en fous de mettre du vert ou du bleu si j'ai envie de mettre ça. Bon, peut-être pas pour sortir mais si ça me prend. Voilà, mais celui-ci il est portable. Donc à tester sur les lèvres. Mais voilà, le Nova Noir, franchement le 480, je vous le conseille, il est trop magnifique. Et juste pour vous dire, il y a des nouvelles eaux de toilette chez Nocibé. Et la marque Nocibé, et ils m'ont donné le Happy Juice. Bon, à tester. Elle m'a filé ça en échantillon dans mon sac. Pourquoi pas. Même si c'est pas le truc le plus ouf du monde. Je jette les tickets de caisse. Donc voilà. Je pense que le haul, c'était spécialement pour ça. Je pense que vous en verrez d'autres dans la suite du haul. Et puis le bon plan mime. Avec des produits à moins 50%, enfin tout à moins 50%, donc je vous les conseille fortement. Donc on se retrouve dans la suite de ce haul juste après. Alors on se retrouve dans la suite de ce haul avec un haul fringues et encore du maquillage. Et je sais, mais j'ai craqué, il était trop beau! Donc, c'est le rouge à lèvres que je porte aujourd'hui. C'est encore un Estée Lauder. Oui, je sais. Donc, c'est toujours la collection Pure Color Love. Et j'ai pris la teinte 430 Crazy Beautiful. Cette fois-ci, c'est un crème. Celui dans la première partie, c'est un nacré duochrome. Et celui-ci, c'est un crème. Ouais. J'ai craqué, ils sont trop beaux, trop confortables, celui-ci est magnifique, donc voilà le packaging toujours le même, et voilà, ouais je sais, mais voilà, il est super beau, hyper confortable. J'avais encore moins 25 chez Nocibé, même si chez Nocibé ils sont un peu plus chers, ils sont à 27,50€. Finalement chez Sephora, bah, je pense que je m'en achèterai pas. Voilà. C'est un mois sans achat chez Sephora. Va comprendre. Et chez Nocibé, il y avait en cadeau, donc le 27,50€, 20,62€. Hein. Le Estée Lauder, personnellement 27,50€ j'aurais pas acheté, hein, voilà, mais 20€, voilà, psychologiquement ça passe un peu mieux, sachant que j'en ai commandé un autre qui n'est pas disponible en France, si je me trompe pas,
Chez Nocibé, il n'y est pas. Chez Marionneau, il n'y est pas. Je crois que chez Sefo, il n'y est pas non plus. C'est une couleur, voilà, je l'ai prise sur fil unique. Donc, vous verrez dans la suite du haul. Il y avait aussi moins 25%, mais ils étaient beaucoup moins chers. Pour info, ils sont à 24,50€. Donc, rendez-vous juste après. Chez Nocibé, j'avais reçu un mail comme quoi on avait droit à un produit gratuit Nocibé. Donc, moi, j'ai voulu la jouer fun. Voilà. Donc, il y avait soit des mini vernis, ombre à paupières. Il y avait quoi d'autre? Je sais plus quoi. Il n'y avait pas de rouge à lèvres, sinon j'aurais pris rouge à lèvres. Mais il y avait un liner rose. Je me suis dit, soyons folles. Hein, au lieu de dire soyons fous. Soyons folles, autant prendre un liner rose. Je trouvais ça tellement marrant. Voilà. Je vais vous le swatcher. Et waouh! Les rose rose, trop fun. Voilà, donc moi j'ai pris le liner rose. Oui, tant qu'à faire, soyons fous. L'eyeliner lumière en teinte 5 Pink Trophy. Voilà. Donc je pense que ça sera le truc un peu fun pour l'été. Donc voilà pour Nocibé. Et je suis passée chez Pinky. Oui, encore un t-shirt. Mais là j'ai pris un t-shirt un peu plus féminin, on va dire. Donc bon, je viens de le laver, il est déjà sec. Voilà, j'ai pris ce t-shirt là. On garde le système de t-shirt, mais ce que j'ai bien aimé, c'est ça. Voilà, l'encoulure comme ça, en rond, et avec ces petites perles. Voilà. Et donc ça coûtait 12,99€. Voilà. Donc voilà, j'avais envie de m'acheter un t-shirt un peu... on va enlever tout ça. Ah, l'eyeliner, il tient vachement bien l'eyeliner. Je voulais m'acheter un t-shirt un peu plus féminin, voilà. Même si j'ai des fringues féminines, hein, mais je voulais, voilà, ça me faisait plaisir. Et puis 12 euros. En fait, à la base, j'étais partie pour m'acheter un truc chez Zara. D'ailleurs, je porte un pull, le pull ballon, voilà, avec les manches ballon Zara que vous avez vu dans un précédent haul. Il est super sympa, même s'il fait super chaud dehors, mais bon. Et puis, je mets un t-shirt en dessous avec de la dentelle, voilà. Donc voilà, tout ça pour ça. Il fait super chaud, mais moi je suis habillée en noir. Hein. Audrey est en deuil. Non, pas du tout, mais bon, j'aime bien m'habiller en noir. Et à la base, j'étais allée chez Zara. Puis finalement, je me suis dit, j'allais faire un tour chez Pinky et j'ai flashé sur ce t-shirt. Voilà. Et avec ma meilleure amie, on est allé faire un tour en ville. On est allé dans les magasins chinois. D'ailleurs, ça s'appelle iMod. Voilà. À Grenoble, hein. 12 grandes rues. Pour info. Moi j'aime bien de temps en temps regarder. J'achète jamais. Elle achète toujours parce que bon, elle fait les tailles 40, donc tout lui va. Et il s'est avéré qu'il y avait des pantalons jusqu'au 48. Donc moi j'ai pris un 44. Ouais, j'ai pris un 44. Parce que 46 c'était trop grand. Enfin, trop grand. Ça allait, mais je pense, je me suis dit, ça risquait d'être un peu trop grand à force de le porter. Donc j'ai pris ma taille normale, 44. Normalement, je fais 44, hein, de toute façon, dans tous les magasins. Et je me suis pris un pantalon comme ça, voilà. Simple, hein, élastique à la taille, et voilà. Et puis en bas, c'est resserré, mais pas trop en fait. C'est serré, mais pas trop. J'ai bien aimé, je trouvais que c'était sympa. Et il coûtait 13€, voilà. Double XL, 44. Et ça me va. Donc comme quoi, on dirait pas comme ça, mais comme quoi chez les Chinois, bah, vous pouvez prendre votre taille. En général, c'est la bonne taille maintenant. Ça dépend des boutiques. Hein. Il y en a, ils mettent 44 et c'est du 38. Mais bon, voilà. Donc je me suis fait plaisir, je me suis acheté voilà, un petit pantalon parce que je me suis dit j'allais mettre des tuniques. L'été, j'aime bien mettre des pantalons comme ça, avec des jolies petites chaussures ou en ballerine. Avec une tunique colorée, ça passe bien, donc voilà. Moi, c'est vraiment pour mettre avec des tuniques. Hein. Sûrement pas pour mettre comme ça, avec des t-shirts courts, parce que je supporte pas la forme de mes jambes. Donc, voilà. Donc, on se retrouve dans la suite du haul avec fil unique, juste après. Et puis, par contre, je pense que je vous ferai une vidéo spéciale sur les Estée Lauder. Je sais pas si elle sera avant. Ou après, voilà, une vidéo spéciale où je swatch les trois rouges à lèvres que j'aurais commandé, acheté, et je crois même que c'est trois finis différents. Donc au moins comme ça. Mat, je voulais pas. Voilà, j'ai déjà un mat Kat Von D que j'adore, le Lovecraft, mais voilà, je voulais pas en rouge à lèvres, hein, en
pas en liquide, en rouge à lèvres. Et j'avais envie de rester voilà, dans les textures que j'aime, tout ce qui est crème, nacré, perlé, enfin tout ce qui brille quoi. Voilà. Donc on se retrouve dans la suite du haul juste après. Alors on se retrouve dans la suite et fin de ce haul parce que sinon elle va durer beaucoup trop longtemps et je pense que le colis fil unique, je suis pas sûre de pouvoir l'intégrer dans cette vidéo, mais au pire ça sera début mai, donc voilà, parce qu'il y a d'autres produits qui doivent arriver également. Donc voilà, je pense que ça va déjà durer plus d'une demi-heure, comme d'hab. Alors, petite fin avec quelques produits. Tout d'abord, c'est... Faut que je le retrouve. Je vous avais dit que j'avais commandé un rouge à lèvres MAC. Est-ce que je vous l'avais dit? Je sais plus. Bref. Donc, je me suis commandé un rouge à lèvres MAC avec moins 15%. Donc, voilà, je l'avais annoncé sur les réseaux sociaux. N'oubliez pas de me suivre sur les réseaux sociaux parce que je vous annonce toujours quand il y a des promotions, des codes promo comme ça. Et voilà. Et en même temps sur Snapchat parce que je vous donne toujours des petits trucs en avant-première. Donc chez MAC, j'ai commandé juste un rouge à lèvres. C'était la teinte Syrup. Il est sublime. C'est pas du tout celui que je porte aujourd'hui. Celui que je porte, c'est le Peach Blossom. Ouais, de chez MAC. Voilà. De toute façon, ça sera tout en barre d'infos, hein. Je mettrai partie 1, nanana, partie 2, 3. Donc, le syrup, c'est un lustre, il est juste sublime. Voilà, oui, je sais, encore un nude, encore un qui doit ressembler à un autre. Mais je le trouve super joli, il est légèrement mauve, avec des paillettes dedans, et voilà, c'est une très belle couleur. Il est tip top, il n'y a rien à dire, j'adore. Ensuite, autre produit, c'est ça. C'est parce que, je vais vous le faire là, je vais vous l'annoncer là, comme ça c'est fait. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai ça. Ça, c'est pas moi qui me le suis acheté, ce sont mes collègues de boulot qui me les ont achetés. Donc, avant d'expliquer pourquoi. Donc, ils m'ont offert un rouge velouté sans transfert de chez Sephora en teinte 06 pink soufflé. Je ne l'ai pas. Il est juste trop beau. Comme j'ai fait des swatchs de tous mes rouges à lèvres MAC, je ne vais pas encore le mettre parce que j'ai les lèvres encore un petit peu explosées. Mais dès que mes lèvres iront mieux... Ah, j'ai fait un caca. Dès que mes lèvres iront mieux, ça sera nickel. Voilà, c'est un rose comme ça, trop joli. Et en plus, si vous aimez les mattes, confortables, pas trop cher, prenez les Sephora, c'est de la bombe. Ensuite, ils m'ont offert ça. Ça, c'est ma merveille du moment, c'est ma merveille du moment, trop je l'aime. Donc, vous le verrez dans mes favoris, ça c'est sûr. Donc, c'est la palette, la Glow Kit d'Anastasia Beverly Hills, c'est la Sun Deeped. Il y a 4 highlighters dedans. 4 highlighters. J'étais comme une dingue. Comme une dingue, comme une dingue. C'est ça, ils sont trop beaux. Alors oui, je les ai déjà utilisés. Je les ai montrés sur Snapchat. Je les ai utilisés. Franchement, j'adore. C'est trop beau. Aujourd'hui, je porte le Moonstone. Donc, franchement, j'ai juste fait comme ça. C'est bon, hein. Je brille de mille feux. Ma couleur préférée, c'est la tourmaline. J'adore. Magnifique. Le Moonstone, franchement, il est trop beau. Celui-ci, le Summer, il sera un doré comme ça. Il sera nickel pour cet été. Et le Bronzed, en fait, je l'utilise... Je l'ai utilisé en ras de cils inférieur. Pour faire un peu... Une couleur un peu brillante en ras de cils inférieur. Et ça rendait super bien. Parce qu'on peut également les utiliser sur les yeux. Donc, voilà. Alors, pourquoi j'ai eu ça? Tout simplement parce que ça y est, quand vous verrez cette vidéo, ça fera presque une semaine que j'ai quitté la grande récré. Donc j'ai officiellement quitté la grande récré le 23 mai. Voilà, donc j'ai démissionné parce que j'ai trouvé un travail en tant que gestionnaire de paye dans un cabinet comptable. Pour être en lien avec ma formation. Et voilà, donc je commence le 2 mai. Le jour où vous verrez les favoris du mois. Donc je commence le 2 mai et voilà, je suis... Là on est presque... Là on est quoi? On est dimanche.
Donc vous verrez cette vidéo vendredi prochain, donc ça fera presque une semaine que je serai en vacances, entre guillemets. Des vacances un peu que je me suis autorisée toute seule. Voilà, histoire de me détendre avant de rattaquer, parce que après j'ai pas de vacances du tout cet été, puisque vu que je fais un nouveau contrat, voilà, j'ai pas de vacances. Donc voilà, vous savez maintenant. C'est officiel, j'ai démissionné et puis je vais attaquer ailleurs. Voilà, alors un bouquin qui se ferme, 11 ans et 11 mois, et une nouvelle histoire qui s'écrit avec une nouvelle vie professionnelle. Donc voilà, et pour finir le haul, c'est un produit partenariat. Donc je suis très contente de ce produit. Il s'agit de cette sacoche. Parce qu'elle est quand même assez grande, hein. Je ne sais plus les dimensions, je vous les mettrai quelque part. Cette sacoche, noire et blanche, il y a plusieurs coloris. Ça c'est moi qui ai demandé de faire écrire Makeup Addict. On peut faire écrire ce qu'on veut, avec la police que l'on veut, la couleur que l'on veut. Donc je tiens à remercier le site gravissimo.fr pour sa confiance. Et aussi le site Influence for Brands. Parce que c'est grâce à ce site que j'ai pu avoir ce partenariat. Voilà, donc tester un produit comme ça, franchement, je ne pensais pas être choisie. J'ai été choisie, je suis très contente. Je les remercie parce que franchement, le produit est tip top. Le site est vraiment bien fait. Vous avez énormément, mais un truc de fou. Énormément, énormément de choix de produits à personnaliser. C'est un truc de dingue. Donc, en fait, je pouvais choisir un produit d'une valeur maximale de 35 euros hors frais de port. Et il y a plus de 2500 produits. Voilà. Donc, imaginez ma tête. Je me suis dit, je vais prendre quoi? Il y a trop de choses, en fait. Mais vous avez tout. C'est un truc de fou. Franchement, voilà. Donc, ça a été envoyé hyper rapidement. Franchement, j'étais choquée. Il m'a validé ma commande. Deux jours après, je l'avais. Voilà, donc voilà. Et je voulais également remercier Neil qui vous propose un code promo de 5% qui est valable jusqu'au 19 mai inclus, avec le code qui va s'afficher ici, Ino Audrey YouTube. Voilà. Donc c'est cool, j'ai un code promo à mon nom. Voilà. Me la pète un peu. Non, c'est la première fois que j'ai un code promo à mon nom, donc non, ça me fait vraiment plaisir de partager ça. Donc le site Gravissimo, c'est un site en fait c'est un créateur de cadeaux personnalisés, donc c'est www.gravissimo.fr. Donc de toute façon, je vous le mettrai ici. Alors, pourquoi j'ai choisi cette sacoche? Il y avait tellement de choix. Il y a de tout. Il y a de la tasse, il y a de la coque de téléphone, il y a de la tapis de souris, il y a des peluches avec des t-shirts qu'on peut personnaliser, il y a des verres, il y a des médailles en argent, il y a des coussins, voilà, il y a tellement de choses, je pourrais même pas, faudrait peut-être que je mette la liste en fait là, comme ça vous verrez peut-être mieux, et il y a aussi des sacs, voilà. Et pourquoi j'ai pris ce sac? Parce que je voulais un sac sympa, en fait. Je voulais une grande... En fait, c'est un sac en bandoulière. Alors, il est énorme par rapport à ma tête. Un sac en bandoulière avec une anse qui est nickel pro. Lui, il coûtait... Forcément, il n'y a pas le prix, puisque... je crois que c'était 29,90€, quelque chose comme ça. Hors frais de port. Je trouve que 30€, une sacoche aussi grosse... personnalisé, c'est pas cher quoi, franchement c'est vraiment pas cher. Elle est énorme, donc vous avez une première poche comme ça, il faut voilà, avec un fond dur. Franchement elle est tip top. Et ensuite vous avez la poche de devant qui elle est brodée, et voilà, vous avez une partie et en plus, là, la place, quoi. Non, franchement, je suis... j'étais étonnée quand j'ai ouvert mon colis.
J'étais très étonnée de la qualité de ce produit. Voilà, je suis restée un peu bébête, mais bon. C'était dans une pochette, dans une enveloppe normale, plastique de la poste. Et c'était là-dedans aussi. Voilà, c'était quand même assez bien protégé, donc il n'y a rien à dire dessus sur la protection et tout. Livraison rapide. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je sais pas quoi vous dire d'autre. J'ai très peu de partenariats, mais quand j'en ai, je suis satisfaite ou non, de toute façon je le dis, mais là franchement je suis aux anges. Donc j'ai marqué Makeup Addict. Donc style d'écriture vraiment à l'américaine, voilà. Donc non, franchement je regrette pas, elle est tip top et franchement je suis trop contente. Trop contente, j'ai une nouvelle, un nouveau sac, une nouvelle sacoche qui est plus grande que mon sac à main, voilà. Et non, franchement, je suis pas contente de ce site. Donc, voilà. Idée cadeau, sympa. Il y a la fête des mères, bientôt. Il y a la fête des pères qui va arriver derrière. Il y a les anniversaires. Enfin, il y a plein de choses, quoi. Vous pouvez, voilà, ça peut être des super idées pour faire des cadeaux à vos proches, personnalisés. Comme ça, voilà, c'est un truc en plus. Et c'est vrai que quand on reçoit un cadeau personnalisé, c'est quand même sympa aussi. Voilà. Donc voilà pour mon big haul qui aura encore duré longtemps, mais un autre arrivera incessamment sous peu, hein, comme je vous ai dit, parce que j'attends un colis fil unique, parce que le livreur a marqué que l'adresse n'existait pas, alors que si, elle existe, puisque ça fait 3 ans que je suis là, 3 ans que je reçois des colis, et 3 ans que... et ça va même faire 12 ans que l'immeuble existe, donc l'adresse existe. Donc lui, je pense qu'il n'était pas réveillé ce jour-là. Donc j'ai programmé une livraison pour un autre jour. Donc le temps que... ouais, j'aurai pas le temps de l'intégrer dans la vidéo. Donc tant pis pour fil unique. Ça sera pour plus tard. Voilà. Donc voilà. Donc dites-moi si vous avez des choses que vous avez achetées en commun avec moi. Si vous avez craqué sur des produits que, voilà, que je vous ai montrés. C'est des choses qui vous tentent ou c'est des trucs que vous dites... c'est bidon, Audrey, mais laisse tomber, c'est bidon ce que t'as acheté. N'hésitez pas à mettre tout ça en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre des pouces en l'air. Et j'espère que cette vidéo vous a plu. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!